Attends, Naren. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Vraiment. Une blague. Ben voyons. Madame Kapoor. Tu dois te sentir extrêmement insultée. Ou peut-être que tu ressens beaucoup de colère. Pendant une année entière, tu t'es vouée à gagner mon cœur et... Arrivé le jour fatidique des fiançailles, tout tombe à l'eau. Oh. C'est parti. La voilà qui nous sort ses larmes de crocodile. Car ce n'est pas de la tristesse. Car ça fait encore partie d'un de tes plans. Écoute, Naren. Détends-toi. Oups. Navré, monsieur Kapoor. Mais vous ne pouvez pas me blâmer. Vous devriez plutôt garder l'œil sur votre femme. Figurez-vous que madame n'a pas honte de flirter avec un des étrangers. Naren! Ça suffit. Mais où as-tu appris à te comporter de la sorte, hein? Plus les jours passent et plus tu deviens insolent. Mais de quoi tu parles? Moi au moins j'ai mis la bague au doigt de Sourbi après que leur divorce ait été enfin finalisé. Qu'en est-il d'elle? Elle est déjà mariée à un homme. Pourtant elle voulait se fiancer avec moi. Un homme ne te suffirait pas ou quoi? Naren, pourquoi tu me parles de cette façon? Je pense avoir appris comment gérer les gens comme toi. Tu n'as pas une seule seconde douté de mes intentions. Waouh! Je dois dire que j'en suis fier. Tu as perdu, Madame Kapoor. Le fait que tu perdes me remonte soudainement le moral. Tu adores faire du mal aux gens autour de toi, non? Mais aujourd'hui, tu sauras enfin ce que ça fait. Et à présent, je te dirai le fond de mes pensées. Que tu partes en croisière ou sur la lune avec ton mari pour votre lune de miel, ce n'est pas mon problème. Venez, plus vite. Prenez une belle photo de madame. Je mettrai cette photo dans un cadre et je la garderai toujours avec moi. Écoute, Naren, tu n'as aucune pitié pour elle. Comment pouvons-nous prouver le fait qu'elle soit innocente et ainsi apaiser cette colère en toi? Il ne faut pas pleurer. Sèche tes larmes.
pleures-tu au juste? Si tu pleures, tu ne seras pas très photogénique. Sèche tes larmes. Elle n'a aucunement besoin de ta sympathie, Madame Vias. Tu as suffisamment passé de temps ici. Maintenant, tu vas faire tes valises et me débarrasser le plancher. Attends. J'aimerais t'offrir un dernier cadeau avant que nos chemins se séparent. À partir de maintenant, je ne veux plus voir Pooja entre ces quatre murs, vous comprenez? Naren, tu es fou! Je ne veux plus que tu rabaisses Pooja. Tu ne peux pas la mettre à la porte de ta maison, c'est clair, parce qu'elle partira de son propre chef. Et pour cette humiliation, nous te disons merci beaucoup. Monsieur Kapoor. Merci. Merci d'avoir divulgué enfin la vérité. Vous autres honorables invités, la petite soirée est belle et bien terminée. Maintenant, partez. Monsieur Kapoor, merci. Merci enfin d'avoir divulgué la vérité. Je dois vraiment vous parler. Immédiatement. Tu fais quoi, Raoul? Tu es aveugle ou quoi? Oncle Ardic, nous devrions plutôt faire la fête pour cette nouvelle union. Pourquoi vous faites cette tête? Jouez vos instruments! Monsieur Kapoor, pourquoi Naren vous a-t-il remercié au moment où nous avons quitté sa maison? Qu'est-ce que vous avez encore raconté à Naren, hein? Pour que ce dernier m'insulte devant sa famille de cette façon? Pooja, assieds-toi. Je te promets de tout expliquer en détail. Allez. Oh, Monsieur Kapoor, je veux une réponse. Qu'avez-vous bien pu dire à Naren? Monsieur Kapoor, sachez que j'ai beaucoup d'estime pour notre amitié. Et j'espère que vous ne ferez rien qui me décevrait. Pooja, j'ai commis d'énormes erreurs dans ma vie. Mais je ne suis pas un homme ingrat non plus. Crois-moi, loin de moi l'idée de te trahir. Tu sais, quand je te dis que ton bonheur est avant tout ma priorité, ce ne sont pas que des paroles en l'air.
Quand Naren est venue me voir dans la salle l'autre jour, nous nous sommes rencontrés, Pooja et moi, il y a un an. Via la ligne d'assistance au suicide, le chagrin de perdre ma femme m'a conduit à faire des choix de vie terribles. C'est là que Pooja m'est apparue comme un ange. Elle s'est occupée de moi, j'allais beaucoup mieux. Et je suis sorti de ma dépression. En revanche, je ne pouvais pas savoir que Pooja aussi avait besoin d'être sauvée. Il faut vraiment que tu me crois, Naren. Pooja en pète au casque. Elle est folle. Elle cible les hommes riches, les séduit, puis les marie. Pour ensuite les jeter. C'est comme un passe-temps. Elle aime particulièrement faire du mal aux gens. C'est une sadique. Elle satisfait ses plaisirs sadiques. Ne te fais pas avoir par son visage innocent. Elle connaît ses forces et elle s'en sert pour nous atteindre. Et le temps que je ne commence à m'interroger sur elle, c'était déjà trop tard. Qu'en est-il de votre mariage ? Pooja est vraiment ma femme. Je suis venu me faire soigner aux États-Unis. Écoute, Naren, je ne peux te dire pourquoi. Elle est venue jusqu'ici pour se venger, en revanche. Si je sais une chose, c'est que tant que tu ne lui diras pas de partir, elle continuera à rester. Naren, j'ai besoin de te dire quelque chose. Avant que Pooja ne jette son dévolu sur quelqu'un d'autre, je t'en supplie, renvoie-la vite aux États-Unis avec moi. Écoute, Pooja. Non, Monsieur Kapoor. Vous n'avez aucun droit de prendre des décisions à ma place. C'est vrai que nous sommes amis, mais il y a aussi des limites entre amis. À cause d'un mensonge. À cause d'un mensonge de votre part, c'est ma vie qui est partie en fumée. Pooja, je t'en supplie, essaie de me comprendre. Naren Vyas fera de ta vie un véritable enfer. Il ne saura pas comment te rendre heureuse. N'as-tu pas vu ce qui s'est passé ? De quoi d'autre as-tu besoin pour comprendre que cet homme veut te faire du mal, hein ? Et si je le méritais en fin de compte, Monsieur Kapoor ? Si Naren est invivable aujourd'hui, c'est parce que c'est moi qui l'ai rendu ainsi. As-tu créé un homme capable de doter la vie ? Si je me suis retrouvé à l'hôpital la dernière fois, c'est à cause de Naren Vyas. Non, c'est impossible. Je sais que Naren pourrait prendre le risque de me faire du mal parce qu'il me déteste. Mais le fait d'ôter la vie à quelqu'un comme vous dites, aucune chance. Je pourrais... Écoutez, quoi que vous puissiez dire, personne ne me convaincra du contraire. Pourquoi ne fais-tu pas l'effort de comprendre, Pooja ? Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, parce que moi, je veux... infiniment au nom de l'amitié. Et laissez-moi vous dire quelque chose, Monsieur Kapoor. Si je suis revenue ici, c'est pour retrouver mon mari. Et c'est bien ce que je m'apprête à faire. Mais que faire ? Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Je ne peux plus me contrôler. Pendant 5 jours, je ne veux plus entendre jouer de la musique. Après tout, je m'apprête à prendre place à côté de Sourbi, pour ainsi l'épouser. Je n'entends plus rien. Mais jouez ! Tu as vraiment l'air heureux, Naren.
Je suis vraiment désolée. Malheureusement, ta joie ne sera que de courte durée. Tu es une dure à cuire, hein, Madame Kapoor? Tu n'aimes pas perdre. Ou bien tu as peut-être perdu ton bon sens que plus rien n'a plus d'importance. Bref. Tu es revenu dans mon manoir. J'imagine que tu es revenu avec un tout nouveau plan. Donc dis-moi, quel est donc le programme pour cette fin de soirée? Tous tes souhaits seront réalisés. Cette soirée sera définitivement mémorable. Une autre ruse. Écoute, Naren. Tu n'hésites jamais à crier haut et fort que tu es un homme juste envers les autres, pas vrai? Pourtant, tu nous déçois en te fiançant avec elle. Écoute, vous vous fiancez très bien. En revanche, arrête de nourrir des rêves d'épouser une autre personne. Car c'est un crime de se remarier alors que vous êtes déjà liés par le mariage. Tu as peut-être bien signé les papiers de divorce il y a un an de cela. Mais le divorce ne prendra jamais effet tant que ta femme n'aura pas signé. Alors laisse-moi te dire une chose. Où que je puisse être dans ce monde, rien ne change. Je serai toujours ta femme, légale aux yeux du monde entier. Et nous le serons toujours. Tu comprends donc que je ne signerai jamais ces papiers. Naren! Quoi que cette fille puisse dire, je t'en prie, n'en crois pas un mot. Je suis sûre que c'est elle-même qui a dû falsifier ses documents. Ma chérie, qui t'a demandé ton avis? As-tu encore la mauvaise habitude de te mêler de nos affaires, dis-moi? Et Monsieur Raoul Villas? J'ai fait le nécessaire afin de te garantir ta sortie de prison. Alors à partir de maintenant, Raoul, demande-moi avant de faire des choix. Je ne sais pas du tout si tu vas me croire ou pas, mais j'ai l'impression que je pourrais éventuellement te faire confiance. Et Madame Sourbi, Raoul Villas, je t'en prie, réveille-toi du monde des bisounours. Si jamais tu décides encore de me mettre à l'épreuve, je ferai le nécessaire pour que tu ne puisses pas divorcer de Raoul. Madame Kapoor! Qu'essaies-tu de prouver, dis-moi? Tu es celui qui a besoin de preuves, Naren. J'en suis une preuve vivante. Mais je ne vais pas juste me plaindre. Je t'ai aimé. Et je suis prête à tout de suite te le démontrer. Vas-y, dis-moi, Naren. Comment veux-tu tester l'amour que j'ai à ton égard? Je suis prête à me soumettre au test. Tu seras de ce fait le juge. Et tu seras aussi le jury. Et il faut que tu me croies, Naren. L'amour en sortira gagnant une fois de plus. Ne te pose pas trop de questions. Tu me parles de Tess alors que tu n'es même plus autorisé de remettre les pieds ici. Ma belle fille a toute ma bénédiction. Même si tu devais lui imposer des centaines de restrictions, ma bénédiction lui sera suffisante.
pour intégrer cette maison, Naren. Anuj! Tu n'auras pas à subir ces épreuves toute seule. Nous sommes tous avec toi. Très bien. J'imagine qu'en tant que père, tu as certains pouvoirs. Alors prépare-toi bien, Madame Kapoor. Ce test ne sera pas du gâteau, je te le dis d'avance. C'est finalement le moment de vérité, Madame Kapoor. Tu peux changer d'avis si tu le souhaites. Je te donne encore une chance pour t'en échapper. Que je m'échappe pour aller où, dis-moi, Naren? Vois ma main. Les lignes de nos mains s'accordent parfaitement. Ne mets pas le surnaturel dans cette affaire, Madame Kapoor. À présent, je suis ton dieu. Tu sais, tu as toujours été semblable à Dieu pour moi, Naren. Génial. Nous verrons. Si tu pourras passer haut la main ce test, pour nous deux. Sache que si jamais tu passes ce test sans aucune tricherie, chose que j'en doute, cette rose sera à toi. Si jamais je te vois te payer ma dette, tu seras récompensé par une tonne de billets. Et si jamais tu es effrayé, tu prends ce couteau et tu le plantes là où se trouve ton cœur. Car si tu ne le passes pas, c'est un énorme prix qu'il y aura à payer, Madame Kapoor. Car c'est sûr qu'une balle entre les deux yeux ne te fera jamais taire. Le seul regret que j'aurai, c'est que tu n'auras pas la chance de nous voir, Sourbi et moi, nous marier. Maintenant, la chose la plus importante, ce n'est pas un test. Quatre tests auxquels tu seras soumise. Après tout, même Dieu doit redoubler de vigilance lorsqu'il a affaire à une fille aussi rusée que toi, n'est-ce pas?
Ce silence nous met tous un peu mal à l'aise, Madame Kapoor. Écoute, si tu es nerveuse, je vais bien t'aider un petit peu. Pendant chacun de ces tests, une seule personne pourra t'aider si tu le souhaites. Mais je t'en prie. Me fais-tu une faveur ou est-ce notre amour qui commence déjà à montrer le bout de son nez? J'essaie seulement d'être juste. Pour que tu ne dises pas que c'est perdu d'avance. Mais n'oublie pas, car c'est important. Il y aura 4 tests. Une seule mauvaise réponse et c'est terminé. Ne te pose surtout pas trop de questions, Naren. Tu ne connais pas le pouvoir de l'amour, on dirait. Je viens gagner ton amour. Et je suis prête à tout pour gagner. Perdre n'a jamais fait partie de mon vocabulaire. Mais néanmoins, je suis prête à faire une déclaration devant vous tous, ce qui plaira à certains. Si jamais je perds, j'accepte de décorer votre chapiteau de mariage et j'habillerai même votre mariée. De plus, je m'assurerai à ce que tout le monde s'amuse pendant le mariage. Pooja, tu sais, tu es loin d'être obligé de nous prouver quoi que ce soit aujourd'hui. Car je sais que ton amour est pur. Ceux qui ne croient pas en le pouvoir de l'amour sont voués au malheur. Papa, pas de panique. C'est la véracité de mon amour qui est mise à l'épreuve. Il est vrai que je ne te l'ai pas assez démontré. Mais ce n'est pas grave. Je suis prête à passer tous les tests pour te le prouver. Par contre, Naren, en quoi consiste le premier test? Le premier test est un test de loyauté. Est-ce que tu te souviens? Tu as affirmé que le gendre de cette famille, Monsieur Rakesh Kaushal, a tout fait pour que tu ne reviennes plus dans cette maison. C'était lui qui t'envoyait de l'argent et de fausses lettres, disant qu'il venait de Madame Supriya. Supriya m'a demandé de te donner ceci. Elle contient 5000 dollars et une lettre à ton nom. Pas vrai? Si tu t'en souviens, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité. C'est à toi de le prouver. Prouve-nous que tu es innocente. Que c'était Rakesh Kaushal. Naren, mais comment peux-tu la croire? Tu penses que mon père serait capable d'une chose pareille? Mayank, assez. Écoute... Pendant un moment, je pensais que tu disais la vérité, Pooja. Ce n'est que maintenant que je vois qu'il s'agit encore d'une ruse de ta part. Tu veux simplement accuser mon père juste pour pouvoir te sortir de ce pétrin. Tu pourrais au moins avoir un temps soit peu de respect pour les aînés de la famille, Pooja. Mayank! Pooja dit la vérité. Mais mon oncle... Oui, oui, Mayank. Moi aussi, au début, je ne voulais pas du tout y croire. C'est la seule vérité, mon garçon. Pendant toutes ces années, ton père, Rakesh, nous faisait croire qu'il ne voulait que notre bien à tous. Mais il cherchait toujours une opportunité de nous détruire. Cette chance s'est montrée. Il n'a pas hésité une seconde. Qu'en penses-tu, Rakesh? Est-ce vrai ou pas?
Ça suffit, Harish. N'as-tu donc aucun respect pour moi, le gendre? Si ma présence te pose problème, alors c'est très simple. Eh bien, tu n'as qu'à me le dire en face. Pas une seule fois tu n'as pensé à Archa avant de te débiter de telles accusations contre moi. Il fut un temps où vous vous entendiez très bien, Rakash et toi, pas vrai? Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? Laisse tomber, Nilima. Si Harish ne veut plus me faire confiance, alors je pense que je n'ai plus rien à voir à faire avec cette famille. Archa, partons d'ici. Mayank, fais vite tes valises, allez. Nous ne resterons pas une minute de plus dans cette maison. Partons. Attendez une minute. Personne ne sortira de cette maison pendant les 3 prochaines heures. Je te donnerai jusqu'à minuit précise, Madame Kapoor. Que tu supplies, emprunte ou vole, cela n'a aucune importance. Mais je veux pas te voir devant moi, tant que tu n'auras pas trouvé les preuves. J'espère que ces 3 heures te seront suffisantes pour réunir ces preuves. Il faut me croire, Naren. Dans 3 petites heures, je viendrai ici avec le sourire, ainsi que ces preuves entre les mains. Super. Nous nous rejoindrons tous ici même à minuit. J'ai le sentiment que cette soirée sera vraiment géniale. Oncle Rakesh, vous auriez dû penser à me transférer cet argent dans tout autre compte bancaire. Comment réfuterez-vous les preuves fournies par la banque? Tante Archa! Oh, ne faites pas ça! C'était la dernière preuve qui prouverait mon innocence. Vous n'avez pas à avoir peur de qui que ce soit, ma tante. Parce que je sais qu'oncle Rakesh a aussi essayé de vous faire du mal. C'est une affaire qui concerne une femme et son mari. Mais on dirait que toi, tu ne sais rien de l'amour. Parce que toi... Mais tante Archa, nous finissons toujours par payer pour nos méfaits tôt ou tard, pas vrai? Je ne suis pas venu ici pour écouter ton sermon. Je viens simplement t'avertir. Si jamais tu daignes dire quoi que ce soit à propos de mon mari... je mettrai alors fin à mes jours. Et la responsable de ma mort, ce sera toi. C'est compris? Pooja n'abandonnera pas même après les fiançailles. Seul le trio sait ce qu'elle inventera à minuit. Je suis prêt à mettre le plan à exécution. Je vais gérer la situation. Pas de panique.
Parce que Pooja ne pourra vraiment rien prouver à minuit. Eh bien, j'ai l'impression que je n'aurai pas cette chance de connaître tes vilains secrets. En tout cas, pas dans l'immédiat. Au lieu de dire n'importe quoi, tu ferais tout aussi bien de ne pas dire un mot. Tu m'avais donné la garantie que Pooja partirait. Mais regarde, cette Pooja continue d'être une grande menace pour nous. Tu sais, Sorbi, ne monte pas sur tes grands chevaux. Oublie un peu ce qui se passera à minuit. Et viens plutôt avec moi. Et nous verrons à quel point notre atout est en train de faire des merveilles. Raoul, qu'est-ce que ce fou allié fait ici, au beau milieu de la nuit? Et pourquoi est-ce que tu me poses cette question? C'est son plus grand admirateur. Oui, il est peut-être différent. Allons plutôt voir ce qui peut bien se passer à l'intérieur. Tu dois me faire confiance. Pooja est en train de bluffer. Alors sois bien prudente. Madame Kapoor, j'espère que tu ne doutes pas de mon adresse au tir. Il y a 3 heures, tu as quitté cette pièce en étant sûr de toi. J'espère que tu reviens parmi nous, aussi sûr de toi. Bien sûr, tu es sans doute revenu muni de quelques preuves. Parce que je veux te dire quelque chose. Je ne manque très rarement ma cible. Il nous reste encore 2 minutes avant que l'horloge n'affiche minuit. Passons aux choses sérieuses si tu as terminé de jouer. Bien sûr. Je suis tellement pressé de te voir perdre ce soir. Donc, le spectacle peut-il commencer? Oncle Rakesh, Tante Archa, vous aviez raison. Je ne pourrais faire punir personne en présentant de fausses preuves. Désolée, oncle Rakesh, parce que je n'ai trouvé aucune preuve contre vous.